suis Madame Carton. J'ai un mari très très bien et j'ai la chance aussi d'avoir deux fils. Ce qui m'embête, c'est que je ne fais plus rien comme avant. Je suis réduite à ne pas aider comme je voudrais, Daniel, comme avant. Voilà mon histoire. On a fait l'expérience de vacances précédemment. On était allé en Italie pour mes 70 ans. Et bah, ça s'est mal passé parce que Danielle, elle n'arrivait pas à suivre, quoi. Elle a beaucoup de difficultés pour marcher déjà. Donc elle marche, mais il faut marcher doucement. C'est assez difficile parce que elle a toujours le même problème. Elle a toujours envie de dormir. Et il faudrait qu'elle reste dans sa chambre, mais on ne peut pas la laisser seule. Alors dès qu'on est quelque part ailleurs qu'à la maison, c'est difficile de la laisser seule, quoi. En Italie, une nuit, moi je dormais. Et j'ai entendu la porte de la chambre claquer, et j'ai dû aller la rechercher dans les étages. Et je l'ai retrouvée, elle allait frapper à une porte qui n'était pas sa porte, parce qu'elle était un étage au-dessus. Quelquefois, il y a des gens qui n'osent plus aller au restaurant parce que le malade ne va pas forcément manger, on va dire, comme on devrait manger au restaurant, quoi. Avec l'expérience que j'ai eue en Italie, maintenant j'ai peur d'aller à l'hôtel. C'est un peu pour ça qu'on a choisi Cabourg d'ailleurs, pour avoir un trajet direct jusque là-bas. Parce que si par exemple on avait choisi la Côte d'Azur ou un truc comme ça, il aurait fallu sans doute s'arrêter au moins une fois en trajet et dormir à l'hôtel. Et quand elle est à l'hôtel, elle est un peu perdue. L'accès au séjour est conditionné par l'examen du dossier par une commission médicale. Et donc, il voit un petit peu si, d'après les renseignements médicaux, le malade peut suivre le séjour. Et si l'aidant est aussi en capacité d'assumer son malade. Parce qu'on peut prendre en charge le malade, mais on ne peut pas prendre en charge l'aidant et le malade. Nous sommes passés devant une commission et nous avons été acceptés. Je suis très, très contente. Nous allons être tous les deux. Il paraît que c'est très bien.